J'avais écrit L'écrivain de la famille, qui était mon premier livre, qui racontait l'histoire d'une famille dans le Nord, et j'avais imaginé une mère, comme elles étaient dans les années 60, 70, des petites femmes grises qui fermaient leur gueule. Et donc, en écrivant ce personnage de femme, j'ai eu tellement de plaisir à l'écrire que je me suis juré que s'il m'était donné d'écrire un deuxième livre, je serais une femme le temps d'un livre. Après, le sujet du livre, ce qui m'intéressait, c'est de se dire, je prends une femme, elle a 48 ans, elle est à la moitié de sa vie, elle peut changer sa vie, ben c'est un rêve. Et un jour, en lisant Le Parisien, j'ai vu que les Français dépensaient 8 milliards par an en jeux de hasard. Oh, tu te rends compte? Si on gagne. Mais ils savent qu'on ne gagne pas, mais ces petits rêves, ça voulait 2 euros. Et donc, je me suis dit, je vais faire comme un petit chimiste, hein, je vais mettre maman, papa, les deux enfants, et je vais foutre une bombe qui s'appelle 18 millions, puis je vais regarder tout ce petit monde se foutre sur la gueule, et je me suis amusé et délecté avec ça. Et je trouvais que c'est un très très beau métier, je disais, d'aimer faire des choses dans lesquelles on va mettre les gens qu'on aime. Pour qu'ils... C'est comme un parfum, en fait, de faire une veste, une chemise, et c'est le parfum d'une mère qui donne à quelqu'un, puis qui va partir. Et voilà, je trouve qu'il y a un côté très, très touchant d'une enfance qu'on ne veut pas laisser s'enfuir. Et je voulais rendre hommage à ces métiers de gens, ces femmes qui tricotaient de l'amour, en fait. Donc je suis parti de tout ça, j'ai bougé le saladier, puis ça a donné la liste des envies. Elle fait un blog et elle ne sait pas ce que c'est encore, c'est commercial ou pas, mais elle va utiliser un blog pour exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire renouer du lien social. Zola, il y avait la place de village. Après, il y a eu les crieurs sur les marchés. Et toute cette parole de village, même dans les villes, ça se perd. Et elle dit, tiens, je vais me servir du blog pour raconter ça, pour raconter tous ces gens seuls et tout. Et la première histoire, je raconte cette vieille dame qui regarde son blog et qui, tout d'un coup, retrouve la joie de vivre. Et c'est extraordinaire, elle recrée du lien social. Donc, j'étais content d'avoir à la fois la mercerie, qui est un truc ancien, le blog, la modernité. Et comme elle dit à un moment, je crois que ce qui est du passé n'est pas dépassé, ce qui est du futur n'est pas encore passé. Donc, je pense qu'il y a de la place pour les deux, pour tout ça. Que je vais adorer ce livre. De toute façon, j'ai adoré l'auteur, donc je vais adorer le livre. Moi, j'ai adoré le bouquin. Ce qui est plus incroyable, c'est que mon mari a adoré le bouquin, alors qu'il lit pas du tout. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que j'aime beaucoup rire et sourire. Et honnêtement, en le lisant plusieurs jours, 2-3 jours, j'ai régulièrement eu le sourire. Donc c'est un petit bonheur du quotidien, ce livre.